Oui, encore une fois, chers amis, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est de tout cœur que nous vous saluons. Et nous sommes heureux de vous savoir aussi encore nombreux en cette période pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. Vous tous, dans tous les territoires et dans toutes les 5 communes de Kananga, que ce soit à Dibelenge, à Kazumba, à Luisa, à Dibaya, vous tous, nous vous saluons de tout cœur. Que ce soit ceux qui sont à Lukonga, Andesha, à Katoka, à Nganza, à Tubuluku, à Kananga 2, et ici au centre-ville, vous qui voulez écouter la vérité de la Bible, l'heure de rendez-vous est là. Et que Dieu nous soit tous favorables et que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Jésus, une fois, a dit ici dans la Bible, dans Matthieu chapitre 15, et Jésus avait appelé à lui la foule et lui a dit, écoutez et comprenez. Il est question d'écouter, mais aussi de comprendre. Et pour comprendre, il faut que celui qui a parlé vous donne l'explication de ce que lui-même a dit. Et aujourd'hui, nous voulons vous faire entendre la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Et que Dieu lui-même vous donne la compréhension dans les Saintes Écritures. Celui-là même qui a donné la compréhension de tous les paraboles aux apôtres dans Matthieu chapitre 13. Et le ressuscité pouvait expliquer et donner, ouvrir l'intelligence de Cléopas et son ami dans Luc chapitre 24. Il leur a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À toutes les semences prédestinées, que le Dieu du ciel vous ouvre les yeux et vous ouvre l'intelligence. Dans notre étude de la parole de Dieu, non pas pour remplir notre tête de connaissances, c'est pour que vous puissiez être convaincus des Écritures et que vous vous éloigniez de tout ce qui n'est pas en accord avec les Écritures. Aujourd'hui, je prends comme parole d'introduction dans Colossiens chapitre 1er. Les deux chaînes de Moudi, il y a d'autres bâches en âge.
Il est dit au verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ne peuvent rendre grâce au Père que ceux qui sont nés du Père. Ayez l'assurance si vous êtes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu au moyen de la semence parole de Dieu. Verset 14, dans le Fils nous avons la rédemption par son sang. Et nous avons aussi la rémission de péchés. Par le sang, nous avons été réconciliés avec Dieu. Par le sang, nous avons été ramenés dans notre communion originelle. Par le sang de Christ, nos péchés ont été remis. Et on nous définit qui est ce fils-là qui a payé le prix. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Il n'est pas quelqu'un d'autre si ce n'est le Dieu invisible qui a été rendu visible. Le premier-né de toute la création. Pas la première création, mais la nouvelle création. Il y a eu une première création qui a été amenée dans la chute par le premier Adam. Et il y a la seconde création qui était déjà annoncée dans Ésaïe 65. Jésus-Christ est le premier né. C'est le commencement de cette nouvelle création qui nous fait passer de la mort à la vie. Et il est dit au verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. C'est un nouveau commencement. Le commencement de la nouvelle création. Par engendrement. Le premier Adam avait été fait à l'image de Dieu. Il n'était pas né. Il avait été créé. Mais Jésus est né. C'est un nouveau commencement qui s'achèvera par de nouveaux cieux et la nouvelle terre. La première création, Genèse 1:1, jusqu'au verset 3, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a commencé par les cieux et la terre. Et il avait terminé par l'homme Adam. Et Adam a entraîné toute la création dans la chute. Comme cela est écrit dans Romains chapitre 8. Maintenant, il fallait que Dieu ramène les choses correctement. C'est ainsi que la nouvelle création a commencé par l'homme, pas le premier homme, mais le second, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15. Mais la nouvelle création commence par l'homme,
Voilà. Et ça va se terminer par les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et le Christ est le commencement de la nouvelle création. Il est le commencement, il est aussi le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Là, dans Genèse 1, Christ n'était même pas encore né. Il faut mettre chaque chose à sa juste place pour avoir une compréhension claire. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Donc ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est pourquoi il est écrit ailleurs. 2 Corinthiens 5 verset 19, Dieu était en Christ dans la plénitude, réconcilia le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est en Christ que nous avons le salut. C'est en Christ que nous avons la paix avec Dieu. C'est en Christ que nous avons la réconciliation. C'est en Christ que nous avons la vie nouvelle. Et le but de cela, il est écrit au verset 21 et 22, et vous, vous là, qui étiez autrefois étrangers, et par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Loué soit Dieu pour la réconciliation que nous avons retrouvée par la mort de Jésus dans sa chair. Et le but de cette mort et de cette résurrection, la réconciliation étant déjà eu lieu, Verset 22, c'est pour vous faire paraître devant lui irrépréhensible et sans tache. Parce que le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est efficace pour ôter tout péché. L'Église épouse se présentera devant Dieu sans tache, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, la foi qui est selon les Écritures, à base d'une promesse que Dieu lui-même a faite. Parce que sans promesse, il n'y a pas la foi. C'est pourquoi il est aussi
si important dans ce temps, dans cet âge, que vous connaissiez la promesse pour aujourd'hui, et que votre foi puisse avoir un point d'appui, et que vous ne puissiez pas vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Loué soit le nom du Seigneur, parce que l'évangile que Paul avait prêché dans sa forme originelle a été restitué. Je l'avais d'abord confié à William Branham, et ça n'avait même pas encore atteint le monde entier. Branham est mort le 24 décembre 1965. Il a été enterré en avril 1966. C'est alors qu'un autre commencement a eu lieu. Ce que Branham avait reçu devait être distribué dans le monde entier. Et Dieu a utilisé Evan de France, qui a parcouru le monde entier avec l'évangile éternellement valable. Et quand il a fini, même tous les avions du monde entier ont été stoppés dans le monde. À cause du Covid, pas moyen de se déplacer, mais l'évangile est déjà parti sur le sommet de la terre. L'évangile dans sa forme originale, le message biblique du temps de la fin, verset 25, c'est de l'Église que j'ai été fait ministre. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, je ne me suis pas fait ministre, j'ai reçu la charge de la part du Seigneur afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Quoi? Le mystère au singulier, le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Parmi les païens, quel est ce mystère? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce mystère était caché aux Juifs lors de la première venue du Seigneur. Ils ne l'ont pas reconnu en tant que le Messie. Et il est écrit dans Jean chapitre 1, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, et la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et c'est le temps où le Seigneur a tourné son regard vers les nations, comme nous pouvons le lire dans Actes chapitre 13. Lorsque Paul est arrivé dans une ville,
Et on a résisté à sa prédication. Et il a montré tout le plan du salut de Dieu. Et le programme de Dieu pour les Juifs et pour les nouvelles nations. Le centre de la prédication, c'était Christ crucifié, ressuscité et le vivant. Nous sommes. Et au verset 38, il leur dit: Sachez donc, mon frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Et arrivant au verset 45, les Juifs voyant la foule furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et l'injuriant. Verset 46, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Quand les Juifs ont refusé, ont rejeté le salut, ils n'ont pas compris le temps de leur visitation. Jésus est monté sur la montagne et il a pleuré dans Luc chapitre 19. Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Si vous ne saisissez pas l'opportunité de la visitation des dieux dans notre ville, dans notre pays, dans notre quartier, dans notre maison, viendra un temps où tu chercheras ce salut, tu ne le trouveras pas. Et le Seigneur a pleuré. Et nous ne faisons pas cette erreur que eux avaient fait. Et ainsi, arrivé dans Actes chapitre 15, l'apôtre Jacques a dit ceci. À partir de chapitre 15, oui, dans Actes chapitre 15, à partir du verset 13, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Oh frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard vers les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Dans toutes les nations, maintenant, c'est le dernier rappel. L'évangile éternellement valable. L'évangile du royaume.
tel que c'est le décrit dans Matthieu 24 et 14, est annoncé pour appeler les derniers parmi les nations. Et qui puisse porter son nom. Verset 15. Et avec cela, avec ce que Simon a dit, comment Dieu est en train de travailler chez les nations. Ça devait commencer par Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, jusque chez nous à Kananga. Ça doit être le même évangile et nous nous attendons au même résultat comme le jour de la Pentecôte. Quand le Seigneur Dieu aura trouvé le dernier élu, le dernier prédestiné dans toutes les races, dans tous les peuples, dans toutes les tribus, l'enlèvement aura lieu. Alors le verset 16 aura aussi son accomplissement après. Après cela, je reviendrai. Je relèverai des achutes la tente de David. J'en reparerai les ruines. Et je la redresserai. Afin que les restes des nations cherchent le Seigneur. Et c'est ce que Paul dira plus loin. Dans Romains chapitre 11, au verset 25, c'est le plan glorieux de Dieu. Verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Quand la totalité de nous, les païens, les nations, sera entrée. Parmi les nations, il appelle un dans une ville, deux dans une famille. Quand le nombre sera complet, la totalité sera là. Car aucun de ceux qui étaient connus de Dieu avant la fondation du monde ne manquera. Dieu a fait une, il a ouvert la parenthèse lorsqu'il s'est tourné vers nous les nations. Maintenant, quand il aura terminé avec les nations, et il est sur le point de terminer, il tournera le dos aux nations et se tournera vers Israël, son peuple. Car Israël attend leur Messie. Israël attend la reconstruction du temple à Jérusalem. Et c'est alors que l'enlèvement aura lieu. Nous l'avons déjà vu l'autre fois. Il y aura en scène en Israël deux prophètes qui porteront le nom de Élie et Moïse. Comme cela la Bible l'indique dans Apocalypse chapitre 11. Cependant leur ministère, lorsqu'ils prêcheront l'évangile, alors les 144 000 Israélites seront marqués du sceau de Dieu sur leur front. Et nous avons vu l'autre fois ce jour, ce sera le même Saint-Esprit que nous recevons aujourd'hui.
144 000, nous les retrouvons dans Apocalypse chapitre 14. Sur la montagne de Sion. Maintenant, on ne doit pas mélanger ce qui appartient à Israël, on le rapporte sur nous, les nations. On doit comprendre quand est-ce que Dieu a fini avec les nations et quand est-ce qu'il débute avec Israël. Quand est-ce que, comme c'est écrit dans Zacharie chapitre 2, le verset 12 et le verset 13, là il est écrit: le Seigneur possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Israël n'est béni que lorsqu'il est sur la terre sainte qui est Israël. Toi aussi, tu ne seras béni de Dieu que lorsque tu retourneras dans le pays ou dans la terre des promesses de Dieu pour aujourd'hui. C'est quand nous retournons dans la parole sans falsification que nous jouirons des bénédictions véritables, authentiques, venant du Dieu véritable, authentique. Il choisira encore Jérusalem. Mais jusqu'à ce jour, Jérusalem est la pomme de discorde entre les nations et les religions. Mais le dernier mot appartiendra au Seigneur comme c'est écrit. Même les résolutions de l'ONU ne feront rien contre cette parole. Comme c'est écrit au verset 13, que toute chair fasse silence devant le Seigneur. Car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Le Seigneur possédera Jérusalem comme sa part. Ça nous donne de l'espérance. Le Seigneur doit posséder ceux qui sont en lui maintenant comme sa part. Es-tu l'un d'eux? Comme Moïse disait, je suis l'un d'eux, de ce berger-là, de ces esclaves-là, je suis l'un d'eux. Sois l'un de ceux que le monde appelle comme les rebuts et des fous. Parce que tu crois l'évangile comme nous dans sa forme originale, nous sommes fous devant le monde. Puisse le Seigneur Dieu Tout-Puissant posséder ceux qui sont à lui et son Église sous son autorité directe. Quand est-ce que le Seigneur possédera Juda comme sa part? Et quand ceci aussi s'accomplira, ce qui est écrit dans Zacharie 12, au verset 12, on peut commencer à 10. Alors je répandrai sur la maison de David. Comme nous l'avons lu dans Actes chapitre 15,
Et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Quand il possédera Judas comme sa part, comme on l'a lu dans le chapitre 2 de Zacharie, c'est alors qu'il répandra un esprit de grâce et de supplication sur eux. Et ils tourneront les regards vers moi. C'est lui qui les ont percés. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Parce qu'ils avaient été aveuglés à la première venue. Mais quand maintenant il viendra pour eux, pour la seconde fois, ils le verront avec les plaies. Et ils diront, Oudou, deviens tes plaies. Et il leur dira, c'est dans la maison de mes frères. C'est dans la maison de mes amis. C'est alors qu'ils pleureront sur lui. En ce temps-là, nous nous sommes au ciel. Quand est-ce que Joseph s'était révélé à ses frères en Égypte? Il avait pris sa femme qu'il avait épousé là-bas chez les nations. Il l'a caché dans la chambre et seul il s'est révélé à ses frères. Oh, quelle belle image déjà dans l'Ancien Testament. Et quand le Seigneur viendra se révéler au ciel, l'épouse ne sera pas là. Les 24 anciens ne seront pas là. Les 4 êtres vivants ne seront pas là. Aucun ange ne sera là. Seul il se révélera à ses frères. Oui, mais bien aimé, ces choses sont vraiment délicieuses. Comme Paul a dit, Dieu a voulu leur révéler ce mystère parmi les païens. Il y a plusieurs mystères dans la Bible. Et si cela a été écrit et que la révélation est venue, c'est pour que nous puissions les annoncer. Et il faut que tu croies comme le disent les saintes écritures. Alors les fleuves d'eau de vie couleront de ton sein. Nous avions déjà vu que dans Apocalypse chapitre 5, nous l'entendons, c'était quelqu'un qui était digne pour ouvrir le livre. Il n'y avait personne sous la terre, au-dessus de la terre. Jean a pleuré amèrement parce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et au verset 5, il est dit, Apocalypse 5, verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas. Le rejeton de David. Il a vaincu. Oh là là, en rapport avec la victoire, c'est le lion de la tribu de Judas. Pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Mais comment il n'avait pas vu auparavant? Parce qu'il était dans les saints des saints afin d'offrir l'offrande. Il avait cette corne, on me donne les détails.
On donne ici les détails. Comment il était, il détaille sa tête, les yeux, les cornes, ainsi de suite. Il y va, il y prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Regardez! En tant que lion, c'est en rapport avec Israël. Il est le roi. Comme dans Genèse 49. En tant qu'agneau immolé, c'est le Fils de Dieu pour accomplir la rédemption. Cela nous concerne, nous les nations. Dans ces derniers jours, dans le ministère de William Marion Branham, l'ensemble des mystères au pluriel concernant l'Église des nations, c'est bon, ça. Mais quel mystère était caché pendant des siècles? A été révélé lorsque le septième ange des âges de l'Église a fait retentir la voix. Nous sommes reconnaissants au Dieu Tout-Puissant pour le ministère de William Branham, parce que tous les mystères écrits de la Genèse à l'Apocalypse ont été révélés, en commençant par la chute de l'homme et jusqu'à ce que Dieu lui-même s'est fait homme pour venir rejeter l'homme qui était tombé. Nous devons louer Dieu pour cela. Les livres ici, on nous montre comment c'est ouvert. Et la révélation a été donnée dans ce temps, au septième âge de l'âge de la Odyssée. Maintenant, quand nous arrivons à Apocalypse chapitre 10, le chapitre qui cause beaucoup de problèmes à beaucoup de gens parce qu'ils ne font pas attention à la parole écrite. Mais nous lisons distinctement dans la Bible. Apocalypse 10, verset 1. Chapitre 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Il ne venait pas de Kentucky. Il ne venait pas de l'Europe. Il ne venait pas de l'Asie. L'ange puissant descend du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Celui-là, c'est le Seigneur lui-même. Il se présente en tant qu'ange de l'Alliance. Vous n'avez qu'à lire ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 7. Au verset 38, celui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne, avec nos pères, reçut les oracles vivants pour nous les donner.
Achi prophète a kujinzambi bwakule kutufeshaw. Parce que l'alliance devait être conclue avec le peuple de l'alliance qui s'est présenté en tant qu'un ange sur la montagne de Sinaï. Bwali bwandondo buli sakutibon tsamba cha mul cha chibungiji. Et ici, quand le Seigneur se présente en tant qu'ange de l'Alliance, ce n'est pas avec nous, les nations. Nous n'avons pas besoin d'aller à la montagne de Sinaï. Nous avons besoin d'un homme, pas sur la montagne de Sinaï, mais sur le mont Golgotha. Là où Dieu est devenu un homme. Il a pris ta place, il a pris ma place. Il a pris ta condamnation, il a pris ma condamnation. Il s'est chargé de tes péchés et de mes péchés. Et il s'est écrié, tout est accompli. Quelle merveilleuse victoire! Et il a couronné par sa résurrection d'entre les morts. Mes bien-aimés frères et sœurs, quand nous voyons les 24 anciens dans un certain contexte, et les quatre êtres vivants, quand cela nous est montré, c'est-à-dire les 24 anciens ensemble avec les quatre êtres vivants, là, il s'agit de l'église de toutes les nations et non pas d'Israël. C'est ainsi qu'il chantait un cantique. Dans Apocalypse chapitre 5, tu as racheté pour Dieu les gens de toute tribu, de toute nation, de tout peuple, et tu as fait de un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront. Élus de Dieu, nous régnerons sur la terre. Notre temps n'est pas encore venu, mais nous savons, nous connaissons notre avenir. Mais retournons à l'ange du Seigneur. Même dans Exode chapitre 3, versets 1 à 6, le Seigneur s'est révélé à Moïse en tant que l'ange du Seigneur. Et quand vous lirez Malachie chapitre 3, il est dit à partir du premier verset, voici mon messager que j'envoie devant ta face. Mon messager que j'envoie devant ta face. Il préparera le chemin devant moi. Point. Ce verset s'est accompli dans le ministère de Jean-Baptiste. La suite du verset, jusqu'aujourd'hui, le 3 septembre, ça ne s'est jamais encore accompli. Là où il est dit, le Seigneur que vous cherchez est soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez est l'ange de l'alliance que vous désirez. Un messager, c'est un ange. L'ange de l'Alliance entrera dans son temple. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 10. Il descendra, il mettra un pied sur la terre, un pied sur la mer. En ce temps-là, le temple à Jérusalem sera déjà reconstruit.
C'est alors qu'il entrera dans son temple. Après avoir été descendu en tant qu'ange de l'Alliance, Apocalypse chapitre 10, verset 2, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il a été ouvert quand? C'est ce que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 5. Maintenant, tenant dans sa main ce livre ouvert déjà dans Apocalypse chapitre 5, il posa son pied droit sur la terre, sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Là, c'est ainsi trop clair, mais ça n'a même pas besoin d'explication. Là, il se présente comme étant le propriétaire originel de la terre. Et il vient revendiquer ce qui lui appartient avant le règne de mille ans ne commence. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10, le diable voulait lui dire, adore-moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Mais Jésus, parce que le diable sait que cet homme, ce monsieur, régnera un jour. Mais comment le pouvoir pouvait venir du diable? Non, ça ne pouvait pas être possible. Lisez Matthieu 4, versets 8 et 10. Il regarde tous les royaumes de la terre m'appartiennent. C'est pourquoi beaucoup de tous ceux qui dirigent la terre, ils sont sous l'influence de Satan. Que le Seigneur fasse seulement grâce à son peuple de comprendre que ce monde ne nous appartient pas. Comment Jésus pouvait posséder les royaumes sans qu'il ne payait le prix à Golgotha? Vous savez que depuis la chute, c'est l'ennemi qui amène la chute de l'homme sur la terre. Mais il a scellé sa semence à travers le serpent. Il a maintenant l'influence sur tous ces sujets sur la terre. C'est ainsi que Dieu devrait planter une nouvelle semence sur la terre. Comme la chute a eu lieu sur la terre, la rédemption et le salut aussi devaient venir sur la terre. Si, selon Genèse chapitre 3, verset 15, si selon Genèse 3, verset 15, le serpent a écrasé, a blessé le talon de Christ à la croix. Mais Jésus-Christ lui a écrasé la tête. Non seulement il a écrasé la tête, il l'a dépouillé de l'aiguillon de la mort. Celui qui est avec nous a vaincu la mort. Nous entrerons dans la mort si c'est possible, mais nous en sortirons vainqueurs parce que Christ est vainqueur. Nous avons lu, il est le premier né entre plusieurs frères. Romains chapitre 8. Et dans Colossiens, dans l'écriture d'introduction, il est aussi le premier d'entre les morts. Comme c'est sur la terre qu'avait eu lieu la chute, c'est là que le diable a exercé son règne.
C'est sur la terre aussi que Christ a payé le prix. Et à la fin, c'est sur la terre que sera manifestée la grande victoire. Heureux les débonnaires. Les débonnaires, parce qu'ils hériteront la terre. C'est Matthieu chapitre 5. Une grande victoire s'est accomplie ici sur la terre. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, toutes les puissances de l'ennemi ont été vaincues. Et à la fin, même la mort elle-même sera sous ses pieds. L'ange de l'Alliance, il fait valoir ses droits sur la création entière. Et on nous dit là-bas dans Apocalypse chapitre 10, il rugit comme rugit un lion. Où se trouve le mot-clé dans ce verset? C'est le mot rugit. Comme rugit un lion. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, en tant que lion, nous devons voir Israël. Ça n'a rien à voir avec l'Église des Nations. Alors, allez lire Amos chapitre 1, verset 2. Pour trouver ce mot rugit. Joël 3, verset 14, jusqu'au verset 17, Osée chapitre 11, verset 10, j'espère que vous avez vos calepins pour écrire les versets que je vous donne. Allez, Jérémie 25, verset 30. Et vous saurez qu'est-ce qui se passera lorsqu'il rugira. C'est vraiment merveilleux si la compréhension vous est tous donnée par le Saint-Esprit. Celui-ci ne suivra pas un frère, celui-là ne suivra pas l'autre frère. Nous allons tous retourner à la simplicité de l'évangile de Christ. Les choses révélées sont pour nous. Les choses cachées sont pour le Seigneur. La suite prochainement. Que Dieu vous bénisse tous dans vos maisons. Que le victorieux de Golgotha vous accorde aussi la victoire sur le Satan, sur le péché. Qu'il vous accorde la victoire sur la maladie. Qu'il vous accorde la victoire sur la mort. Sur les démons. Nous avons été délivrés par le sang de Golgotha. Que Dieu vous bénisse. Préparons-nous, le Seigneur revient bientôt. Alors nous disons Maranatha.